C'est reparti. Salut. Hey Johan. Ouais. Ça te dirait une salade de fruits? Ah ouais, tiens les Gulliver, à vous de nous dire ce qu'on peut mettre dans une salade de fruits. Des oranges. Oh. Des oranges. Oh. Des bananes. Ok. Ananas. Trop cool. Et des fraises. Ah bah voilà, on a tout. Ah bah non, il nous manque des saladiers. Bah, je veux bien, mais ils sont où? Eh ben, on va jouer avec. Aujourd'hui, on joue avec deux super beaux gosses. D'un côté, on a Haroun qui a 7 ans de Lille. Il adore les vidéos et faire du basket. Et de l'autre côté, on a Matt qui a 8 ans de Marseille. Il adore la nature et les jeux vidéo. Et quelque chose me dit que Haroun est le roi du dab. Oh oui, Haroun, le roi du dab, regardez-le avec son super dab. Dab à droite, dab à gauche, dans tous les sens, c'est beau, c'est grand. Le roi du dab est aussi un roi du basket, un peu comme Tony Parker. Est-ce que tu peux nous faire un petit passage à la maison? Oh, il a le ballon, il a tout, là. Et c'est parti, regardez le champion. Regardez-moi cette facilité. À la maison, il fait rebondir le ballon. Alors, faut faire attention à la télé, quand même. Hein. Et là, entre les jambes. Vas-y, Haroun, entre les jambes. Haroun, oh, oh. Haroun, Haroun. Il a du style, on peut l'applaudir. Bravo, Haroun. Vous avez vu ce niveau? Alors, c'est un match Lille contre Marseille aujourd'hui, Nord contre Sud avec Matt qui est à fond la caisse. Il paraît que t'es fan d'animaux. T'as combien d'animaux à la maison? Deux. T'as quoi? Un chat et un poisson. Et on le voit derrière toi, ton chat, il est tranquillement en train de se faire la toilette. Il s'appelle comment? Gepetto. Il est beau, Gepetto. Et ton poisson, il est où? Il est ici. Ouais, il s'appelle comment? Rex. Et ben, il est très très beau, Rex. C'est pourquoi tu l'as appelé Rex? Parce que j'adore les dinosaures. Ah, t'aimes bien les dinosaures? Eh ben, Gwendal aussi, il adore les dinosaures. Oui. C'est vrai, hein? Ah, c'est un triceraptor. Ça fait flipper quand même, hein? Un petit peu. Ah, bah là, Gwendal au top niveau, hein, vous l'avez vu, en super dinosaure. Bon, les garçons, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous aimez vous servir de sarbacane? Oui. Alors, je vous propose aujourd'hui le sarba saladier. Les règles sont très simples. Sur votre table, il y a une sarbacane, des boules et un saladier. Votre objectif en 1 minute 10 est d'envoyer le plus possible de boules dans le saladier en vous servant de votre sarbacane. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, un match Lille contre Marseille. Les ch'tis contre les Marseillais. Attention, 1 minute 10 pour faire la différence. 3, 2, 1 et top chrono. C'est donc parti avec Matt, très très précis, qui a déjà 3, 4 sarbacanes sur sa table. Ça veut dire que s'il y a le moindre problème, il peut changer comme un tennisman sa sarbacane. Haroun n'en a que 2. Attention, il faut qu'il soit concentré. Vous le savez, la complexité avec une sarbacane, c'est qu'on peut la mouiller. Et quand c'est mouillé, c'est plus dur. Allez, ça y va. Haroun qui, pour l'instant, a mis une boule dans son saladier, tandis que Matt, lui, galère un tout petit peu. Mais il va se refaire, croyez-moi. Les boules rebondissent sur le saladier, mais il est concentré. Il y va peut-être un tout petit peu fort avec sa sarbacane. Alors que Haroun, lui, comme un basket, concentré devant le panier, se concentrer, poum, 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 il envoie une véritable gâchette de la sarbacane. Allez, Matt, Matt qui vient de mettre sa première boule dans le saladier. Alors ne vous inquiétez pas, hein, parce que si vous avez l'impression de ne pas voir grand-chose du côté du saladier d'Haroun à la maison, pas de panique, hein. Nous le voyons très très bien de notre côté et nous comptons au fur et à mesure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et top chrono. Posez les sarbacanes, les copains. Alors, du côté de Matt, est-ce qu'on peut voir ton saladier, Matt, s'il te plaît? Alors, une boule pour Matt qu'on va applaudir bien fort. Je te jure, Gwen, que c'est pas facile. Bravo. Bravo. Alors, du côté d'Haroun, du côté du Schnorr, du côté des Ch'tis, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 boules dans le saladier. Haroun qui remporte donc la partie, c'est la folie à la maison. Mais Matt avec le sourire hyper fair play, qui est hyper content pour son pote Haroun. Alors Gwendal, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien Haroun, toutes mes félicitations, tu as gagné tout ça. Et Matt, tu fais bien de garder le sourire parce qu'ici dans le Gulav, il n'y a jamais de perdant. On t'envoie un cadeau surprise. Ah oh, c'est beau, ils ont de l'énergie, ils sont hyper contents. Est-ce que vous vous êtes amusés, Matt et Haroun? Oui. Et c'est le plus important, on vous fait des gros bisous Wi-Fi. Et Gwendal, comment est-ce qu'on fait pour participer au Gulai? Eh bien c'est très simple, si vous voulez jouer avec nous et gagner plein de cadeaux comme Haroun ou comme Matt, eh bien inscrivez-vous sur gulli.fr. Bah qu'est-ce que c'est que ça? On a décidé d'aller chasser les Pokémon. Ouais.
Non mais avec ça, vous allez attraper du papillon, hein, pas des Pokémon. Parce que pour attraper des Pokémon, il vous faut des Pokéballs. Ouais, la Pokéball, tu la prends, tu la lances, et quand tu vois qu'il y a des étoiles au-dessus, ça veut dire qu'il y a un Pokémon. Ok, je lance la balle. Ah, ah bah les étoiles, je les vois, mais j'ai toujours pas de Pokémon. Hein. Mais c'est pas marrant. Bon, Wendell, ouais. on va plutôt laisser faire Sacha. Hein. Bon, d'accord. Voilà, et dans l'épisode que vous allez découvrir, il va tenter d'attraper un Flamiaou. Non, un vrai Flamiaou.